Et salut à tous, ravi de vous retrouver donc pour cette vidéo comparative. Je l'avais annoncé la dernière fois en marge du GP à Silverstone. Eh bien c'est chose faite, hein, avec, vous le savez, des petits problèmes sur fin 2015 et un PC à réinstaller. Donc j'ai fait du rallye, hein, parce que j'ai pas le temps tout simplement de réinstaller F1 2015 ces prochains jours. Avec un comparo sur WRC5, dont on voit déjà les menus. Un WRC5 sorti donc en octobre, avec bien entendu un contenu qui reprend le championnat du monde WRC de cette année. Avec tout ce qu'on connaît, bien entendu, des pilotes du plateau, hein, et des voitures du plateau également. Alors, un jeu, c'est vrai, qui a été annoncé très tôt dans l'année. J'en avais parlé pour le rallye de Monte-Carlo, hein, qui s'est déroulé en janvier dernier, puis qui est sorti finalement très tard. Rien à voir avec Sébastien Loeb Evo qui sortira quant à lui l'année prochaine. Mais donc voilà, avec donc eh bien on retrouve toutes les manches du championnat du monde, hein, avec les spéciales. Alors j'ai été un peu déçu par certaines spéciales, hein. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des machines qui nous permettent eh bien de pousser le réalisme un peu plus loin, et j'aurais aimé avoir des spéciales eh bien un peu plus longues, hein, un peu plus réalistes, notamment sur le Tour de Corse. On a eu des spéciales très longues cette année, notamment une qui a fait 48 km. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé eh bien avoir tout simplement des spéciales de cette longueur et pas des spéciales raccourcies. Elle y est, cette spéciale, hein, le col de Sorba, mais elle est beaucoup plus courte, elle ne fait que 8 km. Donc on voit les véhicules donc présents dans le contenu donc ce WRC5, avec donc le WRC2, le WRCJ, hein, donc pour Junior, avec donc bien là vous voyez les voitures S2000, R5, T16 de chez Peugeot, avec donc tous les pilotes officiels qu'on retrouve plus ou moins tout le long de la saison. Certains des équipages ne font pas la saison entière, bien entendu, car le rallye ça coûte relativement très cher, c'est vrai. Et on retrouve les teams principaux donc, qui eux font le WRC5 en totalité, le WRC en totalité, notamment le team Volkswagen, le team Hyundai, le team Citroën, le team non officiel de chez Ford, et on retrouve après toutes les écuries privées, Adapta, Robert Kubica, la voiture qui ne termine jamais un rallye, Danista avec Propov, et on retrouve également, ça m'a fait bien plaisir de retrouver Sébastien Chardonnay et sa WRC avec la DS. Donc qui sera intégré au jeu, et après en dessous de ça vous aurez bien entendu les sous-catégories avec bien entendu les pilotes, et on retrouvera notamment un certain Sébastien Loeb qui avait participé au WRC cette année avec juste le rallye de Monte-Carlo en ouverture du championnat du monde avant de réattaquer sa saison en WTCC. On le voit avec certains réglages donc notamment sur le tarmac. Et j'ai pas trouvé vraiment rien de bien folichon à ce WRC5, on va en reparler tout à l'heure. Passons à Dirt, donc dans ce comparatif rallye. Eh bien Dirt propose quand même un contenu un peu plus épais. Pourquoi ? Tout simplement pour la simple et bonne raison qu'on n'aura bien entendu pas les catégories et les véhicules officiels, hein. On aura une Ford et une Countryman en WRC à proprement parler, mais on aura un contenu bien plus étoffé, notamment au niveau de, eh bien, tout simplement du high climb, hein, de la course de côte, ou notamment bien entendu aussi du rallycross et bien entendu du WRC. Donc ça fait quand même trois épreuves inclus dans un jeu, donc ça s'arrête pas qu'au rallye, et ça n'est pas plus mal, car on prend beaucoup de plaisir avec ce Dirt, hein, comme je l'ai dit et répété. C'est un jeu vraiment très sympa, très bien abouti, qui évolue bien entendu constamment. Donc c'est pour ça qu'on avait un contenu très maigre à la base. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un contenu de plus en plus riche. Et notamment avec des épreuves qui ont été ajoutées, hein, comme bien entendu la Finlande ces derniers jours. Ou bien alors le rallycross, hein, qui a eu une énorme mise à jour. Et on va commencer donc avec le rallye de Monte-Carlo. Bien entendu, Dirt Rally ne reprend pas quasiment les mêmes règles aussi que le WRC, hein, donc il n'y aura pas de quoi choisir les gommes ou quoi que ce soit. Mais vous voyez les conditions météo qui sont, on peut vraiment les modifier et bien plus large que dans WRC. WRC proposera pas la nuit de partout par exemple,
ou bien la neige ou tout ça de partout aussi, alors que Dirt le fait avec un choix de voiture aussi bien plus sympathique. Et quand on a suivi les rallyes depuis de nombreuses années avant que le WRC débarque, eh bien c'est vrai que on est un peu nostalgique de certaines voitures, avec notamment, il y en aura pour tous les goûts, avec des voitures des années 60, des voitures des années 70 avec la Lancia Stratos, les BM, les Ford Escort, les groupes B, bien entendu les monstres avec la 205, T16 Evo, l'Audi aussi, la Manta, la Lancia, les groupes A qui ont remplacé les groupes B. Vraiment toutes les époques, les kit cars, hein, Jill Panizzi bien entendu, avec la 306, les R4, et là, à partir des années 2000, avec le début des WRC, on retrouve la Ford et la C4 de Sébastien Loeb, donc la Xara, et puis les WRC récents, donc avec la Countryman, Mini qui s'était retirée, et puis on aura bien entendu à chaque fois de nombreuses coloris. Et là, on retrouve bien entendu le sponsor officiel quand Ford était encore en WRC officiellement, je le répète, parce qu'aujourd'hui c'est une écurie privée. Et on va commencer donc avec le rallye de Monte Carlo sur une épreuve mythique et sur une spéciale mythique, la route et la montée du Turini. Alors c'est quelque chose bien entendu que j'ai regretté dans WRC 5, puisque tout simplement, à moins que ça se débloque, hein, je sais pas, peut-être, quand on fait le mode carrière, je n'ai pas pu avoir, en faisant spécial normal, la route du Turini, que l'on retrouve donc dans Dirt, avec Dirt aussi les checkdowns, que je n'ai pas retrouvé aussi dans WRC 5. Alors peut-être qu'ils y sont pareils en mode carrière, on revoit les réglages, hein, qui sont pas non plus trop poussés. Et on va commencer cette épreuve. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est, vous allez le voir, j'ai pas fait d'écran séparé dans ce comparatif, pour la simple et bonne raison que quand il y a un écran séparé, ça mélange un peu tout, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à certaines choses, on n'est pas vraiment bien imprégné. Alors que là, j'ai fait de l'écran simple, au moins ça permet, et puis je vais switcher en alternance entre WRC 5 et Dirt Rally, ça va nous permettre, bien entendu, de comparer le jeu. Un peu plus, avec un peu plus de précision. Alors, vous le voyez, la montée du Turini, mi-verre glacé, mi-asphalte, une spéciale, et les graphismes 5. Sur Dirt qui sont vraiment très beaux. Gauche, et c'est vrai que bien, ça change un peu de F1 2015 qui est un peu bâclé, je l'ai dit la dernière fois. Et bien là, on a vraiment un jeu vraiment magnifique. Les voitures, le détail à l'intérieur, c'est un jeu vraiment très soigné. On sent que Codemaster a fait du super boulot. On savait que Dirt était vraiment un jeu phare de chez Codemaster. Mais ce Dirt Rally est particulièrement excellent. C'est peut-être le meilleur de la série. Et on bascule sur WRC 5. On voit des couleurs vraiment un peu plus vives, un peu plus éclatantes. Mais le jeu est franchement laid. Alors, ce qui va se passer avec ce WRC 5, bien entendu, c'est l'avantage. C'est qu'il va tourner sur toutes les machines. Il n'y a absolument aucun souci. Bon, bien entendu, pas des PC trop vieux non plus. Mais il ne demandera pas une carte graphique et il ne sera pas trop gourmand. Donc, pas besoin de faire des frais intensifs sur ce WRC 5. Il va tourner sur la plupart des machines et va prendre en compte la plupart des volants, hein, qu'ils soient anciens ou nouveaux, et avec une conduite, bien entendu, complètement différente. On en parlera tout à l'heure de la conduite, mais c'est vrai que vous voyez donc les graphismes qui sont. C'est vrai que quand on arrive dans le menu, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, bon, il va falloir augmenter qualité, et puis il n'en est rien, hein. Il est à fond de jeu. Donc à l'intérieur de la voiture, ça se voit pas des masses, hein, mais c'est vrai qu'en extérieur, c'est pas vraiment joli. On revient à Dirt Rally, et vous le voyez, c'est vraiment c'est quand même assez plus joli, hein. Ça change vraiment de WRC 5 qui est presque bâclé. Alors c'est vrai qu'on attendait un énorme tournant à ce WRC, moi le premier. Je me suis dit, ça y est, cool. Ils vont nous proposer vraiment un jeu de nouvelle génération qui va vraiment changer, qui va nous permettre d'avoir un super jeu de rallye avec vraiment la licence, et puis non, pas du tout. C'est le WRC 5 comme le WRC 4, comme le WRC 3. Il y a eu un peu de changement, mais pas drastique non plus. Ça reste très tourné, arcade, et puis vous n'aurez vraiment aucun souci. Alors c'est vrai que le rallye, il n'y a pas les points de freinage, hein, comme on parlait sur un circuit de Formule 1. Là, il va falloir suivre et bien, ce que dit votre copilote. WRC 5, c'est beaucoup plus simple que sur Dirt. Alors, on va prendre la Finlande, par exemple, et je vais modifier les voitures. Et j'ai pris la 205 groupe B
T16 de 85, il me semble, au rallye de Finlande, anciennement rallye des Mille Lacs, rebaptisé rallye Nest. Et puis là, donc, on est sur dirt avec la 205. Et alors là, je peux vous dire que ça va être franchement une partie de muscu hein, avec le G27, tant la 205 se dérobe très facilement et c'est un pur plaisir à la conduire ici. Voilà, il y a vraiment l'enjeu hein, dans dirt. Et c'est un jeu très compliqué qui ne se prendra pas en main facilement. Alors on l'annonce avec une sortie sur console, j'y crois pas du tout, parce qu'il est impossible de jouer à dirt à la manette. Il faut un volant pour jouer à dirt parce que c'est presque une vraie simulation pareil. On s'éclate, c'est un jeu vraiment jouissif. Et quand on repasse à WRC5, eh bien c'est vraiment très frustrant parce que la voiture elle est déjà sur un rail. On a vraiment un jeu tourné arcade et il est quasiment impossible, à part si vous faites vraiment l'imbécile comme moi je vais le faire. Et bien de se sortir du tracé car la voiture est rivée au sol, donc c'est vraiment un jeu qui se joue très bien au G27 et un jeu qui se joue vraiment très bien à la manette aussi car il est sorti sur PS4 et Xbox One. Alors, je vous cache pas que ça me ferait une peine immense de jouer à WRC5 sur console et tous ceux qui ont acheté le jeu plein pot, je sais pas combien il est sorti sur console, mais sur Instant Gaming, notre partenaire donc, vous pouvez l'acheter d'ores et déjà, il est à moins de 16€. Alors oui, moins de 16€, un jeu de rallye avec donc toutes les licences, un jeu qui est sorti il y a à peu près un mois. Alors voilà, sur PC, hein, c'est toujours pareil. Moins de 16€, ça vaut vraiment le coup de se faire plaisir avec un jeu avec un jeu de rallye. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des masses des jeux de rallye. Il y a Dirt qui fait quand même, mine de rien, 35€ sur Instant Gaming, que moi j'ai payé 23€ à sa sortie. Et bien, on se retrouve donc là avec deux jeux avec un petit écart de 20€. Alors après, lequel choisir? Vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc, en gameplay, mention spéciale à Dirt, mais il va falloir s'entraîner un paquet de temps avant de pouvoir conduire aisément une auto. Alors c'est vrai que quand on passe de WRC5 à Dirt, vous ne savez plus du tout conduire sur Dirt. Par contre, quand on passe de Dirt à WRC, et bien là, c'est vraiment gâteau. Il y a vraiment beaucoup de comparaisons à faire. WRC est ultra simple. Il est vraiment tourné arcade. Alors que Dirt, vous allez devoir vraiment utiliser les checkdowns pour vraiment vous faire à la spéciale, parce que vous allez vous sortir un paquet de fois, et notamment, là j'ai plus que des spéciales sprint, notamment sur WRC et sur Dirt, mais quand on fait vraiment des spéciales longues, il y a vraiment une concentration maximale à avoir sur Dirt, et c'est vraiment très 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 compliqué, notamment si vous passez des gros PB comme celles que j'ai pris, qui sont des voitures relativement difficiles à conduire, ça va être vraiment une sacrée paire de manches. Et là, on va en finir donc sur cette épreuve de Finlande, avec tout simplement WRC5, vous voyez. Un peu plus gros pour Monte Carlo quand même en Finlande ici. Légèrement plus beau, mais pas non plus exceptionnel. C'est vraiment dommage. Hein. On attend vraiment de Sébastien Loeb et vous de voir un peu ce qu'il va nous donner et nous proposer en termes de gameplay et de graphisme également. Et puis on va finir avec l'Allemagne, hein, qui sont les jeux, il y a la Grèce également, et il y a le RAC aussi, qui font partie de Dirt, et qui font également aussi partie de WRC5. Alors l'Allemagne, j'ai pris la voiture de Sébastien Loeb dans WRC5, la DS3 donc, qui a été conduite par la doublette française Elena Loeb pour rallye de Monte Carlo en début d'année. Loeb, bien entendu, qui détient le plus grand nombre de victoires en Allemagne, et à Monaco également. Donc et bien voilà, sur des routes très piégeuses comme l'Allemagne, WRC5 se comporte à merveille, et pour se sortir de la piste et bien ça va être très compliqué. Juste ce qu'il va falloir dans les jeux de rallye, et c'est vrai quand on joue au volant, c'est un frein manuel, hein, parce que moi je utilise le shifter, et bien c'est vu qu'il n'y a pas de retour comme un frein main, c'est très compliqué, il faut y rester un peu coincé, et du coup je me mets dans le décor, donc la gestion du frein main, que ce soit dans Dirt ou dans le WRC5, notamment pour les épingles comme ça, eh bien elle est vraiment relativement longue, et après c'est vrai que quand on a un peu le feeling, eh bien ça va bien mieux, notamment sur des spéciales comme celle-ci, ou au Monte Carlo, sur les routes européennes, il y a énormément d'épingles.
il va vous falloir jouer du frein à main. Et sur WRC5, c'est pas très handicapant, mais alors sur Dirt, vous allez perdre d'énormes secondes si vous passez sans le frein à main en épingle. Pour en avoir fait plusieurs fois l'expérience, il sera totalement impossible de gagner dans Dirt si vous n'avez pas le frein à main. Notamment quand vous allez élever la difficulté. Et Dirt est beaucoup plus compliqué que WRC5 pour s'imposer dans une spéciale. Alors j'ai pris l'Allemagne de nuit au volant de la Subaru des années 2000. Piloté notamment par Richard Burks, hein, notamment. Attention, droite, c'est un peu. Lui, des fins. C'est vrai que deux légendes de rallye sont mortes quasiment coup sur coup, que ce soit Burks ou Colin McRae. Ils étaient de véritables idoles à leur époque. Et on retrouve donc une spéciale mythique de l'Allemagne. Et c'est vrai que j'ai retrouvé plus de points que je connaissais dans Dirt que dans WRC5. Et ça grince un peu parce que c'est WRC5 qui serait censé retranscrire magnifiquement bien les spéciales. Et bien c'est dans Dirt où j'ai retrouvé notamment le plus de points, notamment je connais très bien l'arrière pays François. Et bien dans Dirt avec le Monte Carlo, c'est super bien retranscrit. Il n'y a absolument rien à dire. Et même en Corse, hein, que je connais aussi très bien la Corse, et bien dans WRC5, je n'ai pas réellement reconnu de points particuliers, notamment sur la spéciale du col de Sorba, qui était également à la télé retransmise sur Canal Plus. Et bien c'est franchement laid. Ça ne veut rien y comprendre. On se demande le café de studio. Par rapport à Comestars qui, eux, notamment cette spéciale avec la carcasse d'avion, est absolument magnifique. Et vous ne pouvez pas la choisir de nuit sur WRC5, par exemple. Et c'est bien dommage. Virage épingle gauche, montée 80. Donc absolument rien à dire. Hein. C'est vrai, 20 euros d'écart. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Soit un jeu à moins de 16 euros, réellement tourné arcade, qui certes aura tous les pilotes du plateau quand on est fan de WRC. J'ai des amis qui sont fans de WRC et qui font même du rallye avec des rallyes tels que celui du Var le week-end dernier et qui jouent au Air Factor parce qu'ils remettent tout simplement, ils font leur livret et tout ça, chose qui n'est pas possible dans ces deux jeux. Et moi je parle vraiment d'un jeu, que ce soit Dirt ou WRC5, où il n'y a pas trop de prise de tête, hein. Vous pourrez jouer immédiatement, c'est toujours pareil, hein. Par rapport à Air Factor ou à cette Corsa par exemple, qui sont des jeux vachement plus poussés, simulation, je parle vraiment moi de tout public, hein, à chaque fois. Donc c'est vrai que je m'orienterai plus vers Dirt, et je vous conseille amplement Dirt Rally. C'est pas la première fois que je vous le dis, mais franchement ce jeu est pour moi qui suis, comme je vous l'ai toujours dit, mon attachement pour les jeux de voiture depuis que je suis tout petit, eh bien, si j'ai un top 5, eh bien, je mettrai Dirt à l'intérieur, c'est Dirt Rally particulièrement, car il est l'un des meilleurs jeux de voiture auxquels j'ai joué, et notamment au volant, c'est le meilleur jeu de voiture auquel tout simplement j'ai pris le plus de plaisir. J'en ai fait pas mal, et celui-là c'est celui qui sort de l'eau. Et puis il est arrivé un peu sur la pointe des pieds parce que j'en avais pas entendu parler, je vous l'avais dit. Et puis c'est Angel qui m'a dit, t'as vu sur Instant Gaming à 23€ à l'époque, cet été, il y a Dirt Rally. Et c'est vrai que dès que je l'ai acheté, j'ai trouvé ça absolument phénoménal, avec un contenu en plus de ça qui va évoluer en permanence. Vous l'avez vu, hein, dans les voitures, il n'y en avait pas autant que ça dès le départ. Et puis là, ils nous en ont rajouté plusieurs. Et puis surtout de retrouver Pikes Peak, hein, cette épreuve mythique de la mécanique et du sport automobile, et bien se retrouve donc dans Dirt Rally. Donc voilà pour ce petit comparatif. Après ça sera à vous de juger, bien entendu. Moi je vous dis à très vite. En attendant, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. On va se retrouver sur F1 je ne sais pas quand. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous.